Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur les Sims de la partie Legacy. Tout le monde est en train de pioncer, c'est pas la fête à la maison. Oh, quoique, en coulisses, ça va. Mais alors, Johnny, c'est bientôt l'anniversaire de Johnny. Ah bon? C'est bientôt ton anniversaire, petit Johnny. Tu vas devenir adulte? Oh, bah on te fera un anniversaire alors. En tout cas, il n'est pas top, il a envie de pisser, il n'a pas de divertissement, il est sale et il a faim. Ok, on a Ancoli qui prépare à manger, ça c'est bien. Le bébé petit Loki va bien, oui, il fait des sourires à son doudou, il est très très content, tout va très 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 bien. Impeccable, elle fait à manger, si tu pouvais ne pas foutre le feu pour la... énième fois, tu vois ce que je veux dire, ce serait plutôt pas mal. Tu me mangeras aussi un peu de fraises dans tout ça. Parce qu'on va essayer de vous refaire faire un bébé. Parce que nous n'avons pas notre héritière. Puisque le petit Loki ne peut pas hériter. C'est un garçon. Ce sont les filles qui héritent chez nous. Eh oui. Ok, Johnny, il pue. Mais bon, pour le moment, il embête que lui. Hein, à puer comme ça. Ça que lui que ça dérange. Ok, en colis, il va falloir que tu fasses du sport aussi à un moment donné. Franchement, il va falloir que tu te mettes à faire un peu de sport, ma fille. Nettoyer le sol. Ouais, c'est un sport comme un autre, mais il doit y avoir mieux. Il n'y a pas moyen de l'envoyer courir si on lui change de tenue. Non, je crois qu'elle avait pas envie le dernier coup. Ok, en tout cas, elle a l'air d'avoir mangé les fraises. Bon, le petit va bien, du coup... Lui, il est en train de rêver. La plante va bien. Nos plantations... Ah si. Ah tiens, tu iras arroser après avoir mangé. Oh, faire évoluer et tout récolter. Voilà, tu iras faire un peu de jardinage puisque le petit va bien. Et effectivement, il va falloir faire du sport en colis. Hein. Il va falloir se mettre à un truc de sport. Ça pourrait être pas mal. Hop, ça. Ranger, non? Bah oui, t'as plus faim, quoique. Bon, bah tu pourras finir de le manger, quand même. Johnny, il va falloir que tu te réveilles, parce que là, ça va devenir... ça va devenir compliqué, là, pour toi. Va donc pisser et te doucher, parce que ça va être compliqué pour tout le monde. Et Tira, attends, tu travailles dans combien de temps? Dans 6 heures, aïe, c'est chaud. Tu iras jouer un petit peu quand même. Jouer à des sports incroyables. Ok, en colis. Allez ma fille, occupe-toi bien de toutes tes plantes. Hein? Et va falloir nous faire une fille. Hein. Le courrier d'aujourd'hui a été distribué. Oh non, pas les factures. Pas les factures. Oh non, pas les factures. Oh non. Pourri les factures. Bon, on a reçu des droits d'auteur aussi. Donc bon, ça va se mélanger un peu. Il va toujours pas, lui. Prendre un bain. On n'a pas de baignoire. C'est la vie. On n'a pas de baignoire. Tu t'es pas douché, du coup. Ah, parce que c'est toi qui vas ramasser le courrier, mince. Excuse-moi. Tu pourras te doucher après. C'est nécessaire, hein. Tu pues, ça fait une traînée. Garde-moi ça dans les tactés. C'est dégueulasse. T'es au summum de la saleté, là, mon ami. C'est carrément crado. Que ça. Ok, de meilleure qualité. Ok, bon, tu vas pas être jardinière, hein, c'est pas ton travail le plus important, ma fille, mais bon. Ok, le petit va toujours bien, il demande toujours rien. Peut-être quand même s'en occuper un peu, non? Babiller. Puis le nourrir, comme ça évitera qu'il réclame à manger à un moment donné. Ok, on accélère un petit peu. Ils vont bien réussir à faire tout ça. Ah mais non, désolé Johnny, j'étais toujours sur toi. Non, c'est pas toi qui va à l'ordinateur, ça sera Johnny après. Toi, tu t'occupes de ton mouflet. Babiller et nourrir. Ah ouais, du coup, il se retrouve dans le noir. C'est pas grave, avec la fameuse lumière. Éclairage automatique. Ouais, bah oui, ça reste du coup. Soit, c'est pas grave. Ça le fait dormir. Et on pourra... Ah, il a pas l'air de... il a pas l'air très content. On pourra le faire changer de taille aussi dans cet épisode. Voilà, nourris-le. Mon Johnny.
Tu mangeras, non? Prendre une portion si t'as faim et tu joueras parce que tu vas pas bien. Voilà, ça devient extrêmement nécessaire de jouer pour notre pauvre petite Johnny. Ok, la plante à la fin. Bah, quand tu auras fini avec le bébé, tu nourriras la plante vache avant qu'elle mange les oisins. Qu'est-ce qui leur arrive? Johnny, t'as bugué? Mange! Voilà, mange mon bon Johnny. Mais oui. Voilà. Et puis ça, faudra le ranger. Que je me remette sur toi. Ranger. Parce que ça va pourrir. Qu'est-ce qu'il a encore? Bah, va jouer. Allez, mange, va jouer. Ou tu rangeras ça après aussi. Mais d'abord, tu as le droit de jouer un peu. Le bébé dort. Maman est partie se doucher. Tu pisseras après. Non, mais t'avais le droit de finir ta douche. Soit. La plante vache est fait. La plante vache, c'est fait. Elle, je sais pas ce qu'elle nous veut. Occupe-toi plutôt du bébé. Plus de choix. Est-ce qu'on peut le faire grandir, que j'ai nous changer d'âge? Tiens, prends-le un peu dans tes bras. Et ensuite, on le fera changer le pitchoun. Ah, t'étais parti jouer. J'ai vu comment je snob la voisine, quoi. Mais rien n'a carré. Enfin, la voisine, la visiteuse, là. Rien n'a carré. Je l'ignore totalement. Et c'est... Johnny, tu blagues? Il a pété l'ordinateur. Oh là là, Johnny. Mais non. Mais pourquoi t'as fait ça? Yo, on en a besoin pour bosser. Ancolie, elle bosse avec son ordinateur. Elle joue avec sa plante. Bon, on va faire grandir le petit Loki. Ça sera plus amusant. Ouais, on va le faire. J'allais dire, il faut lui installer une chambre. On a assez de sous. Ouais, je pense qu'on a assez de sous pour lui mettre bah, juste. Il nous faut quoi? Il nous faut un lit. Il nous faut un pot et une chaise haute. Ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. À la rigueur, on peut lui faire écrire un nouveau livre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écrire. On va écrire scénario. Oh, on n'a pas encore fait ça. Volonté de blesser. Ah ouais, c'est sympa comme. Oh, il est impossible ce mari. Il est impossible. Ok, fais ça. Et non, la voisine, on s'en fout. Fais ça. Et ensuite, on fera grandir le petit Loki. On en profitera pour le relooker. Un petit Loki démoniaque, on va faire un aîné désagréable, démoniaque, caractériel, un peu fou. Ça peut être assez rigolo. En plus, on est dans la semaine de Halloween. Alors on va lui faire un petit look qui va bien. Allez, écris. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu voulais faire la cuisine? Préparer un repas. Ah, bah tu feras ça après, mais bon, tu vas préparer des pâtisseries, ouais, tiens, pourquoi pas. Oh, des brownies. Voilà. Mais tu ne mets. Tu fous pas le feu par contre. En plus, t'as un bébé maintenant dans la maison. Si tu pouvais éviter de foutre le feu, ce serait quand même une bonne chose. Allez, dépêche-toi de finir ton bouquin. Et on fait grandir le... Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Grandir le petit. Un sim inspiré a des tonnes d'idées créatives qui ne demandent qu'à s'exprimer. Pendant, faites-la peindre ou jouer d'un instrument. Ok, bah là, écoutez, elle écrit un livre. Oh, le petit chouine. Dépêche-toi de finir. Elle est confiante. Elle ignore complètement les cris de son mouflet. C'est pas son problème. Ok, elle a fini d'écrire son livre. Elle fait à manger maintenant. Par contre, il faudra peut-être changer sa couche, tiens. Et l'apaiser. Voilà. Et ensuite, tu iras vendre. Le vendre à un éditeur, tiens, pour une fois. Plutôt que de faire que de l'auto-édition. Ok. T'as plein de choses à faire, ma fille. Hein. Monsieur est au boulot, mais toi, hein, t'as de quoi t'amuser, si on peut dire ainsi. Courage. Allez, ma fille. Enlever un peu toutes les notifs. Notifs, plutôt. Allez. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Tu mets pas le feu. Il n'y a aucune raison qu'il y ait le feu. Aucune. S'il te plaît. Tu te concentres. Tu fais pas de conneries et tu nous mets pas le feu. Et on va te relooker, hein. Quitte à relooker ton gamin, on va te relooker aussi parce que là, t'as pris du poids et c'est pas terrible le ventre comme ça, là.
On va te changer un petit peu, et puis c'est bien de te changer de temps en temps quand même. Voilà, occupe-toi du pitchounet. Alors, oh oui, oui là il y a un problème. Bon, on va te faire blond, et non pas les cheveux noirs. On va effectuer... Oh, j'adore cette coupe. Oh, ça te va trop bien en plus. C'est vrai que j'adore cette coupe. Je la trouve trop, trop shoot. Donc notre petit Loki, tu vas être blond. Normalement, le vrai Loki est brun. Mais là, de toute façon, c'est Loki avec un Y. Donc, voilà. De toute façon, c'est pas le vrai. I love cat. Oh, tu es tellement mignon. En fait, ta tenue, là, de base, elle est plutôt mignonne. On voulait te faire un petit démon, mais bon... attends, t'as peut-être d'autres couleurs. Non, c'est toujours I love cat. Ah ben, orange. À la rigueur, ça fait un peu plus les chaussures orange. Et le petit pantalon, n'empêche, il est déjà chou comme tout. Peut-être pas le mettre que en... Oh, un petit Loki de guerre. Ah ouais, il est tellement chou. Oh, franchement, il est trop mignon. On va te mettre des chaussettes. Des petites chaussettes. On les voit pas bien, mais... On va te mettre des petites chaussettes. Tes chaussures, ma foi. Oh, bah on va te mettre des chaussures monstres. C'est que pour Halloween. On te rechangera après, hein. Les chaussures monstres, tu vas pas les avoir tout le temps. Faut pas déconner. Ok, alors chic. Ouf, non. Non, merci. Pas de lunettes. Chic, chic. Alors, les chaussures violettes. Non, plus. Plutôt ça, en rouge. On va rester dans le thème un peu plus... Et un pantalon rouge. C'est trop rouge, hein, là, quand même. Orange. C'est pas très beau, hein, mais c'est pour le thème un peu Halloween. Et on va te mettre ça avec. On le rechangera après. Il est pas si pire. On le rechangera après. On essaie d'être un petit peu... Oh, la chenille. Oh, c'est tellement mignon. Ou une pastèque. Ou un... Non, la chenille. La chenille. La chenille. Et là, oh bah le nounours. Hein. Oh le renard. Trop terrible. Trop terrible petit renard. Non, on va te mettre un jean. Non, le jean à pattes. Le jean à pattes pour le coup. Et les choses, on va te mettre des petites bottes rouges. Oh, t'es trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Terrible. On voulait changer un petit peu en colis. Mine de rien, je voulais lui changer ses fringues, même si j'aimais beaucoup ce haut-là. Je voudrais lui remettre quelque chose d'un peu plus, classique. C'est super joli, mais ça ne va pas... Ah, ça. Elle reste sexy, notre encolie, donc on va pas la cacher. En bleu ciel, c'était plutôt dans les bleus ciel, mais ça fait peut-être... Ah, en blanc, comme ça. En blanc, et on va te changer tes chaussures. Ouais, quelque chose comme ça. En rose ? On ose le rose ? Est-ce qu'on ose le rose ? Je crois que oui, hein. Je crois qu'on va oser le rose. Voilà, c'était histoire de te changer un tout petit peu. Et notre Johnny, on n'avait pas du tout été regarder son look. Ah ouais, toi quand tu vas bosser, tu rigoles pas, quoi. C'est peut-être un petit peu abusé, le nœud pape. Ouais, si tu veux être en costard, mais ça, à la rigueur, mais... le nœud pape, ça me paraît un petit peu abusé. Ouais, on va te laisser comme ça. Les chaussures blanches comme ça, peut-être pas des noires, non. Des bleus marines. Oh là là, non. Enlève-moi ces chaussettes que je ne saurais voir. Mais c'est quoi ce délire? Non, 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 vire-moi les chaussettes. Pour la nuit, admettons, alors vert cacadois comme ça. Un petit peu de plus sexy, mon ami. Tenue de fête. Pff, la couleur, c'est... T'aimes bien le vert cacadois, toi, hein? Allez, un peu plus dans les oranges pour Halloween et le maillot de bain, admettons. Voilà, on le change pas trop quand même, même si ça, c'est pas terrible. Comme ça? Ah ouais, t'es quand même vachement plus classe. Et arrête avec le vert, en fait, on va te changer ça aussi. Ouais, t'es plus classe comme ça. Et les chaussures à gland, là, t'as pas un peu plus classe? À la rigueur. Ouais, elle est beaucoup plus classe, notre petit Johnny. Et notre petit Loki, il est tellement... Tellement mignon. Oh là là, il est tellement chou ce petit. Je suis fan, je suis très contente. Il est chou. Ah bah oui, on le prend. Hein. Bah oui. Hein. Allez, c'est parti, on y retourne. Alors, on va essayer de lui faire une petite chambre, hein, un minimum quand même. Et ensuite, on va s'attaquer à faire une petite fille pour avoir une héritière. Puisque nous n'avons pas héritière. Ouais, regarde maman, j'y crois bien la vie. Et puis comme ça, et puis comme ci, et puis comme ça. Ok, alors voyons voir si on a assez de sous pour essayer de t'acheter quelques trucs. On va pas pouvoir t'acheter grand chose, mon petit bout.
On va faire ce qu'on peut, on t'achètera au fur et à mesure. Alors, lit de bambin, est-ce le moins cher? Je suppose, puisque c'est le premier. 240, 160, ouais, effectivement. Bah, l'orange, t'es parti dans l'orange. Hop. Tu vas réussir à monter, là? Ou alors, on te met ta chambre. Ah non, c'est trop dans l'entrée. Bah, il n'y a pas le choix, hein, mon petit bout. Hop, on va te le mettre comme ça. Normalement, il y a de la place, hein, pour les parents d'aller dans leur coin. Un pot, le pot, on a l'avantage de pouvoir le mettre côté salle de bain. Et la chaise haute, hop, on peut la mettre ici. Un petit décalage quand même pour que les parents puissent... Non, ils vont pas gérer là, les parents, je les connais. On va le mettre là, tant pis. On a encore de l'argent, ça va, qu'il a quand même de petits trucs, notre bébé. Un petit nounours, plutôt de ce côté là. Ouais, mais il y a maman qui gêne. Oh, ok, on la met au pied à maman. Et quand même des jouets, faute d'avoir une chambre digne de ce nom, quand même t'acheter des petits jouets. On va t'acheter un petit chat. Voilà. Oula. Pff. Piscine, tout à fait. Toboggan, bien sûr. Des cubes. Ouais, des coffres à jouets et tout, c'est bien, mais c'est cher. C'est cher les coffres à jouets. Mais... Oh, impressionnant. Une tablette 500, non sûrement pas. Ah, on peut t'acheter un petit ours pour te cogner dessus. Ouais, on peut te le mettre là. Non, on peut pas, ça se tient. C'est à cause de la porte au moins. J'aurais dû mettre le code pour les objets. Et là non, parce qu'il y a trop de... Non, il y a trop de choses dans cette baraque. Moi, écoute, t'en as pas pour le moment. On va agrandir la maison de toute façon à un moment donné. Tiens, un petit nounours en plus. On va agrandir la maison à un moment donné, mon petit bout, et on pourra te faire une chambre. Hein? On va essayer de te faire une chambre à un moment donné, parce que là, le studio, ça commence à un petit peu à pas ressembler à grand-chose. En fait, il faudrait faire une cuisine là, tout doucement. On va décaler la cuisine ici, et on pourra lui faire une chambre ici. Ça sera pas mal. Oh, qu'est-ce qu'il est chou, ce gamin. Voilà, c'est parti. Maman! Jeter, voilà, tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Hop. Voilà. Il a peut-être faim, hein, ton bout de chou. Avec ses petits pieds en monstre. Et non, mais on le sent qu'il est prêt à faire une connerie déjà. On le sent bien. Il veut regarder la télé. Oui, mais on n'a pas de télé. Je suis fort désolée, mon ami. Nous n'avons pas de télé. Eh oui, c'est la vie. C'est comme ça. Ah, t'as trouvé un joujou. C'est déjà ça. A trouvé un joujou. Ok, du coup il force son imagination, ce qui est pas mal du tout. Quelque part, un petit imaginatif, c'est très très bien. Ouais, fais gaffe à la plante vache qu'elle ne mange pas le petit, effectivement. Bon, Johnny, il rentre dans combien de temps, notre Johnny? On l'attend, nous? On est de jouer avec ta plante. Tiens, tant qu'on y est. Peut-être qu'il y aura un peu de sous là-dedans à se faire. Récolter les... Ah, voilà Joe! Et bah du coup, il va pouvoir voir l'évolution de son fils. Hop, Johnny! T'as bien travaillé ou t'as toujours l'air de très mauvaise humeur? Oh là là! Ça va pas, hein? Pourquoi ça va pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a toujours pas de sauna. Ben non. Ben oui, on n'a toujours pas de sauna. Par contre, t'as un petit-fils. Tout mignon, tout chou. Viens lui raconter une histoire. On n'a peut-être pas de livre d'histoire. Attends. Viens voir ton fiston. Allez, venez faire des grimaces ensemble. Peut-être ça peut te détendre. Et elle n'a pas fini, elle. Jeter. Oh, il est là, il est tout mignon, il attend. Il est bien sage pour un petit pitre. Oh, j'adore les chaussures, je veux les mêmes pour ma fille. Alors, c'est le père qui est dans le siège enfant. Récolte sauvage, récolter les produits de 50 plantes sauvages. Oh. C'est le père qui est dans le nounours et c'est le gamin qui est dans le fauteuil normal. Voilà, voilà. On se fait un peu chier, papa. Papa, je m'ennuie. Ah bah oui, donne-lui à manger, tiens. T'allais faire quoi? Le tenir. Bah donne-lui à manger. Là, regarde ici. Donner à manger à Loki. Des céréales. À minuit, des céréales. Ouais, il faudrait qu'il dorme, en fait, le petit, là.
Oh, oh, il est fatigué. Tu vas y arriver ou le siège est mal posé? C'est possible que le siège soit mal posé. Hein. Dans ce cas-là, je te le mets ailleurs. On va voir s'il y arrive. Ah, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon. Et ensuite, tu le mettras au dodo. Non, mais il faut le nourrir, par contre. Oui, là, il est bien, mais... Ah, c'est un bon papa, ça. Mais non, maman! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais en colis! Mais non! Il était en train de manger! Ah, merci, Johnny. Pauvre gosse, quoi. On le prend, on l'enlève, on le pose, on le remet. C'est qui pue, là? C'est qui pue? Ah, bah voilà. Ça, c'est fait. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Après, faut nettoyer tout ça. T'es pas bien, hein? Il a envie de jouer au cube. Ça a de la chance, t'en as. Il va regarder sa maman, demander de lire un livre. Bah Johnny, t'as qu'à... Oh, Johnny, il a pas fini de faire... Ouais, va pisser. Écoute, va pisser, va jouer, parce que là, tu t'en sors pas. Donc, maman va s'en occuper. Maman, elle va bien. Elle est au top. Alors, relâcher. Jouer dedans. Non, 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 non. Oui, t'as envie de faire le pitre, enfin bon. On va éviter de montrer des conneries au gamin. On va le coucher. Et on va comme ça pouvoir... voilà, je sais pas si t'as de quoi lui lire une histoire. En tout cas, il faut que tu le couches. Tu iras te doucher après parce que tu pues. Et il faudrait que vous essayiez de me faire une petite fille. Et on va te gaver de fraises comme t'en as jamais mangé. Vas-y, va le coucher. En lisant une histoire, donc ça va être un petit peu long. Mais c'est quand même plus sympa pour le pitchoun. Descendant qui réussit. C'est quoi ça? Dépenser en objet pour enfant, devenir adulte. Ah oui, non, mais il est pas ça. On va le laisser grandir hein, un peu le petit pitchoun là. Ok. Ah non, mais en colis, te couche pas alors, ton homme. Oh, chérie! Trigger en racontant une blague. Ah ouais non par contre si tu t'es toujours pas douché. Ah non là tu pues. Non 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 va te doucher. Non là tu pues, il va pas vouloir de toi. Non faut pas déconner quand même. Hop, on les trouve un peu. Ah merde. Ça va? Bon vous êtes mariés maintenant. C'est des choses qui se font. Hein. Elle a l'aise. Non, elle a pas apprécié du tout. Johnny, viens nettoyer mon petit père. Non, tu ne manges pas, ça c'est moisi. Je crois que le bébé, c'est pas... Ah, 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 essayer de faire un bébé. On va essayer, en fait. Si, si, il veut bien avant de dormir. Il est crevé, quand même. Chérie? 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 S'il te plaît? Ouais, ok, trop tard. Trop tard, il s'est endormi. Ah, voilà, c'est malin. Essuyez. Et, ouais, bah, t'as plus qu'à dormir, visiblement. Ça va être compliqué après avec le petit réveillé. Non, elle a pété la douche. Non. Oh, c'est Johnny qui commence à être le mieux en réparation. Désolé. Désolé, ta femme, elle fait n'importe quoi. Tu travailles dans combien de temps? 3 jours. Oh, bon, on a le temps. On a le temps de vivre un petit peu. Ok, ok, il arrive à dormir malgré le merdier. Ça, c'est plutôt pas mal. Va falloir doucement quand même voir pour construire une nouvelle pièce là parce que c'est méchamment le boxon dans cette baraque. En fait il faudrait qu'on refasse tout un mur comme ça. Normalement ça coûte pas trop trop cher hein, de faire ça. On peut peut-être que Loki ait une chambre digne de ce nom. Bah, je regarde ça de suite après tout. Alors... Il faudrait un petit bout comme ça. Ouais, c'est pas trop cher. Enfin, pas trop cher. On se comprend. Ouh, on va pas pouvoir fermer. Oh, on n'a plus rien. On a une pièce vide. On a une immense pièce qu'on pourra diviser en deux. On va pouvoir faire salle de bain, chambre, de petits. Mais pour le moment, on n'y a même pas accès. Hein. Faut bouger les meubles. Pour le moment, on n'a peut-être même pas de quoi mettre une porte. Ok, c'est pas le moment que les factures arrivent. Allez, ça va le faire. Vas-y, répare-moi ça.
Ok, bon, on commence à toucher des sous, hein, mine de rien. Ouais, bon, c'est pas encore ça, mais Loki a faim. Attendez, attendez, arrêtez l'accélération. Non, mais Loki, il a faim. Elle est où en colis? Oh non! Oh la tristesse! Oh, notre plante vache, elle est morte! Oh, je suis tellement triste. Oh, une petite image en son honneur. Oh, j'en ai gros. Là, j'en ai gros. Je l'aimais fort, notre plante vache. Bon, bah, tant pis. Partie un peu trop compliquée pour gérer une plante vache. Ça vous dérange de nourrir le petit? Non, mais vous êtes en train de bouffer, là, mais... Oh! Non, mais faut le nourrir. Oh, c'est le merdier. Donner à boire du lait. Enfin, lui apprendre à être propre aussi. Ouais, les dinosaures, t'as raison, c'est trop génial. T'as carrément raison, mon pitchoun. Bamba qui grandit. Oui, il a grandi tout à l'heure. Hop, papa, il a fini de manger. Attendez. C'est pas ouvrir le frigo, toi. Si, il s'est pris à manger. Attends, je vais te poser des brownies là, mon doudou. Voilà. Bah, pourquoi t'as rangé le jouet dans tes poches? Soit. Bon, bah, il mange ça, du coup. C'est fort, les bonbons, à la vitesse où ils arrivent à manger. Parce que, bon, forcément, avec leurs parents... Oh, on en a du merdier à vendre. Bah, voilà, c'est ça qu'il nous fallait. Oula, maman vient de se TP. Jus d'inconfort, regardez. Hop. Je sais pas trop à quoi ça sert. Hop. Oh là, notre plante vache est morte, je suis trop triste. Mais vraiment. Ok, les fraises, on les garde, mais les pommes... Les pommes. Ok, on va pouvoir essayer de finir un peu notre pièce. Bah, le petit, il a mangé, du coup. Le petit, il est bien. Maman, elle est bien. Papa, il a besoin de divertissement. J'ai un très bon divertissement pour toi, papa. Mais à côté de l'enfant, c'est peut-être... Si, on peut. Hein. On peut carrément y aller. Mais il y a le gamin à côté. Vous voulez vraiment... on fait une petite sœur? Ça te dit de faire une petite sœur? Ah ouais, trop bien. Regarde pas, Loki. Tu regardes pas, hein. Tu joues avec tes cubes, hein. On est des monstres. Oh, mais c'est des monstres. Oui, bah ouais, il y a le gamin. Ah, ils vont pas le faire, du coup. Elles sont embêtées, là. Ah, ils sont intelligents. Non. Ils ont un moment de lucidité et de doute. Mais il y a le petit dans la pièce. Ouais, il y a le petit dans la pièce. Non! Allez, on y va. Ok. Impeccable. Du coup, le petit, il est dehors. Écoute, petit. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Non, tu vas pas... Ah, oh, regarde, parle à la madame. Parlez à l'inconnu. Ça, faut pas faire, normalement. Et bon, là, c'est parce que tes parents, ils sont occupés. Plus de choix. Méchant. Va-t'en, madame. Elle a l'air contente. Alors, il s'éclate, hein. C'est bon? Ouais, par contre, vous allez vous réveiller, les gars. Je peux vous laisser dormir. Non, 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 non. On se réveille. Hein. Alors déjà, là, c'est toujours crade. Tu pourrais apprendre à ton fils à aller sur le pot, par exemple, et vider la poubelle. Ok, elle rentre chez nous, direct, tranquille, comme ça. Ah oui, ok, c'est à lui que j'ai demandé. Soit. Et en colis, tu me manges des fraises, des fraises, des fraises, et des fraises. Tu manges toutes les fraises de la planète que tu peux trouver. Tu vas faire que ça, manger des fraises. Ok, nettoyer. Nettoyer. Et on va remettre... non, des cerises. Ah oui, c'est pas le même sac. C'est vrai que c'est Johnny qui avait les fraises. Bah, tu vas vendre. Hein, parce qu'on a une pièce à terminer. Ça, vous m'avez dit de les vendre comme ça ramenait plus de sous, mais je suis pas sûre. Ah si, il devait y avoir la somme en dessous, j'ai pas fait gaffe. Ok. 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 Hop, Johnny, tu me remets des fraises un peu partout. Enfin, je vais le faire techniquement. Voilà. Voilà. Ok, il apprend le pot. C'est impeccable. Petit pitchoun avec son nounours, là. Il avait justement la vessie pleine. Allez, fais pipi. C'est compliqué, hein, le pipi. Hein. Mais pourquoi il m'a mis là-dessus? Moi, je comprends pas ce que je... Oh, bah, merci, madame. Voilà, c'est bien.
Tout, tout, tout. Non, mais les voisins, là, vous n'avez pas vu à quel point on est occupé. On a un mouflet en plus maintenant. En colis, après tout ça, tu me feras un test. Enfin, pipi comme championne. Tu me feras un test de grossesse. Tchoum tchoum. Remange une fraise après. Cette fille obsédée vers les fraises. Mais non! Ah là 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 là. Voilà, mange des fraises en faisant ton test de grossesse. T'as tout compris. C'est exactement ça qu'il faut faire. Absolument. N'est pas enceinte. Oh! Oh flûte! C'est déception. Du coup, on va finir notre pièce là, un petit coup. Alors, on va faire la cuisine. Comme ça. Comme ça. Hop. Hop. Alors attendez, on va tout décaler. Non. Comme ça. La gazinière. Le frigo, est-ce qu'il va rentrer? Oui. Il reste encore une table de travail impeccable. On va mettre ça aussi là. Pour manger. Est-ce non? Non. On laisse la table à manger ici. On va se mettre un mur comme ça. Cuisine n'a pas besoin d'être grande, hein, c'est vraiment pour faire à bouffer. Voilà, on va se mettre des portes. Des portes toutes simples. Ouais, une porte grise toute simple. Là et là. Hop. Ah, par contre, la chambre, la cuisine, elle est mal située. Techniquement, attendez, on va se remettre une porte. Elle est mal foutue, ma maison. On se met une porte. Ça va passer une porte là? Non, ils vont pas l'utiliser. Parce que là, du coup, on a la chambre du petit. Ou là, on fait un couloir ici. C'est pas terrible mon histoire, mais ça m'embête. On a un couloir, on mettra de la déco dedans, tant pis. Et ça m'embête, du coup. Ah, on va lui mettre une chambre. Une. Oh, une licorne? Ou des petits monstres? Des petits monstres. Voilà, comme ça, il a une porte à sa chambre juste pour lui. Donc on a un couloir, bon, on mettra des décos, on mettra des plantes. On va faire un petit couloir plein de plantes. Du coup, sa chambre au petit bout. Ok, il n'y a toujours pas de tapisserie et compagnie, mais bon, ça, on fera en temps voulu. Pourquoi il veut pas? Comme ça, ses joujoux. Voilà, comme ça au moins les parents ils ont leur chambre à eux. La lumière, on met de la lumière. On n'a plus beaucoup de sous. C'est pas des lumières, ça c'est sticker, ça c'est une lumière. Un petit nuage orange. Ok. Ok. Il faut une lumière dans la cuisine, il faut une lumière dans la salle de bain. Les lumières. Ouais, mais faudrait. En fait, je vais copier celle qu'on a, non? Hop. Hop, on en met une là et une dans le couloir. Ok, on n'a plus de sous. On n'a plus de sous, mais la maison s'améliore tranquillement. Hop, le fauteuil. Non, bon, on peut le laisser comme ça, le fauteuil. Notre table à manger, et donc. En fait, il faudrait rajouter une chaise, mais on fera ça plus tard. Lucky, il a sa petite chambre. On a un couloir qui passe un petit peu de l'un à l'autre. On aurait pu mettre la porte plus au milieu, du coup. Je reviens. La porte. Là. Là. Ah ouais, non, c'est. On peut pas la mettre au milieu. Ok, il faudra que j'utilise un code à un moment donné pour mieux installer tout ça. Vous allez certainement me le dire quand vraiment on se mettra à faire à fond de la déco. Là, pour le moment, on a une porte, une maison, pardon, qui ressemble doucement à une maison. Ce qui en soi n'est plutôt pas mal. Ok, qu'est-ce qu'il a le petit bout? Il a très très faim. Ok, il a fait des proutes, tout ça, il a réussi. Donne à manger à ton fiston. Donne à manger à partir de l'inventaire. Non, pas les fraises. Attends, regarde. Tiens, prends une portion de ça. Allez, laisse tes parents, un petit peu, tranquille. Papa, tu vas nettoyer, par contre. Non, ça y est, t'as commencé déjà. Et tu vas. Vous allez réessayer. Bah oui, hein. Et on l'a toujours pas notre fille. Mais il mange pas ce gamin, il passe son temps à faire le con. Il faut manger, petit. C'est bon le brownie. Ah bah oui, c'est super bon le brownie.
Miam miam. Allez, laisse tes parents. Ah oui, mais on n'a toujours pas fermé notre chambre. Du coup, le gamin, il voit toujours Loki. Va jouer. Va empiler les cubes. Oh, c'est bien d'empiler les cubes. Oh, il est triste. Mais non, il est triste. Pourquoi? Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à faire sur le pot. Oui, alors toi, va-t'en. Je sais pas ce que tu voulais, mon mari, mais on est occupé. Voilà. Voilà, le petit, il est là au calme. C'est n'importe quoi, cette baraque et cette histoire. Soit, un jour, on aura une maison qui ressemblera à la maison. Voilà. Va empiler tes cubes, mon petit bout. Alors, du coup, ta chambre, elle est loin. Mais c'est pas grave, on mettra, je sais pas, on verra ce qu'on mettra par là. Quand on aura des sous. Voilà. On va jouer. Tu vas voir, ça va être bien. Ok, c'est reparti avec eux deux. Tu me fais un test de grossesse. Johnny, il est fatigué, mais il a aussi besoin d'une douche. Et il peut nous préparer à manger pour la familia. Tout le monde a la dalle un peu. Servir le dîner. Macaroni ou fromage. Ok, on s'en sort. Ah, félicitations, qu'elle est enceinte. Oh yeah. Cool. Ok, non mais la voisine... Non mais... Demande de partir, elle me saoule elle. Sérieusement. Et manger fraise. Ok, et tu pues. Pourquoi tu pues? C'est qui pue? Il y a un truc qui pue là. C'est pas... C'est Johnny? C'est Johnny qui pue, mais je lui avais dit de prendre une douche. Ok, du coup, il est parti sur la bouffe. On prendra une douche après, on va le laisser faire. Bah, madame, vous pouvez arrêter de squatter chez moi, s'il vous plaît. Sérieusement. Mais oui, t'es gentil, mais arrête de venir squatter chez nous, quoi. Je dois vraiment y aller. Bah oui, je viens de te foutre dehors. Sérieusement. Hop, et tu... non, tu le nettoies, tu le manges surtout pas. Ok, elle se gave de fraises. C'est très 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 bien. Continue. Mange des fraises. Mange des fraises. Mange des tas de fraises. Plein de fraises. Hop, des fraises partout. Mettez-moi des fraises partout. Tout le monde mange des fraises. Non, que la maman. Il faut manger des fraises. J'espère que ça marche. Parce que là, j'ai transformé la maison en fraisier, quoi. Alors, Johnny... Oui, non, mais la voisine, elle est partie. Tu fous la paix à Sonia, hein. Non, mais va te laver. Bon, bah, il mange sa portion. Et après, il faut créer qu'il aille se laver. Mange aussi une portion. Ton mari, il a fait à manger, là. Prends une portion et ensuite, tu... Oh, prends une portion pour Loki, c'est mignon. Ah oui, est-ce que ton fiston, il va avoir faim aussi, à un moment donné. Ça a beau être un descendant mâle, qui, du coup, n'est pas bon pour la lignée, c'est quand même ton fils. Hop. Bah, lui, il veut manger des brownies. Bon, bah, écoute, il va manger des brownies, alors. S'il n'y avait pas des macaronis au fromage. Johnny, si t'as fini de manger, tu vas te laver, parce que là, tu es la honte de la famille. Tu pues à 3 km. Et ensuite, tu pourras dormir. On peut lui manger des brownies. Et toi, quand tu auras mangé, tu rangeras, tu nettoieras. On peut laisser les brownies là, peut-être. Tu nettoieras. Parce que le petit les prend, les brownies. Donc, et tu mangeras des fraises. Ok. Bon, bah, on n'a plus la plante vache à gérer. Par contre, on a les plantes qui vont pas bien non plus. Bah non, mais là, engager un jardinier, à moins qu'il ressuscite les plantes. Hein. Va falloir arroser les plantes. Hein. Aussi. Oui, elle a beaucoup de choses à faire. Je sais. Bon, bah on est pas mal. On a le petit Loki qui a grandi. Qui est mignon tout plein. On a Angoli qui est à nouveau enceinte. On va essayer de lui faire faire une petite fille. Pour avoir enfin notre vraie, notre première héritière. Normalement depuis, vous m'avez donné des noms en Y. Je vous avais demandé, mais il y a un épisode de décalage entre ce que j'enregistre et ce que vous voyez. Elle prend une portion pour le petit là, je pense. Mais il a déjà mangé ses gavettes brownies. Johnny. Johnny. Loki.
Ouais, non, tu vois, il s'est gavé de brownie. C'était sûr, ça. Il est fatigué, il veut... Ah, il veut boire. Bah, demande à boire à maman. Il veut boire. Maman, dis-toi. Voilà, une tonne de choses à faire, ta mère, en plus. Je crois qu'on va devoir... ouais, le jardin va attendre. Johnny est crevé. Bon, on va les laisser vivre un petit peu. Ils sont capoutes. Et moi, en tout cas, bah, je vous dis à très 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 bientôt. Hein. Ça évolue, hein. Franchement, quand je vois qu'à la base, on était sur le terrain vague avec juste l'armure là qu'il faut acheter, qu'on avait rien, 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 rien. Mine de rien, on évolue quand même plutôt bien. Ah, il remange les macaroni à fromage après les brownies. Impeccable. Allez, moi, je vous fais des boujoux. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye tout le monde. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be. All along, standing strong, the way it ought to be.